Finalement, hop, je vais pas me maquiller. J'ai trop la flemme. Bon, je vais déballer vite fait mon colis. Je vais déballer vite fait mon colis, ensuite on se file. Je comptais prendre les transports en commun, mais c'est juste pas possible. J'ai 1h30 en transport en commun contre 20 minutes en taxi. Donc je vais prendre un Grab. J'ai passé une commande Modanisa et je vais vous montrer. Voilà ce que j'ai choisi. Déjà, tout ça, je vous montrerai sur Instagram porté. Je vais vous faire un haul puisque je déteste porter les vêtements quand ils ne sont pas repassés. Donc du coup, je vais repasser tout ça et vous montrer. Mais voyez cette robe hyper simple. Vous verrez aussi que c'est beaucoup de vêtements couleur assez nude, passe-partout. Donc cette robe pull. J'ai aussi pris beaucoup d'ensemble parce que c'est juste... ça facilite la vie, franchement, le matin, quand vous ne savez pas quoi vous mettre. Vous mettez un ensemble et voilà. Alors ça ici c'est quoi? Voilà, bah, c'est un ensemble. Donc c'est un ensemble noir, tout simple. Donc c'est une longue tunique, vous voyez, en coton. Et vous avez le pantalon. Ah non, c'est pas un pantalon, c'est une jupe. Ouh, ça m'étonne. Ouais, je crois qu'il y avait plein de couleurs de disponibles. Bref, porter... Ah oui, voilà, j'avais imaginé ça porter avec une ceinture. Porter ça avec une ceinture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai... Oh là là, celle-ci, elle est jolie. Une petite chemise. Trop belle. Vous voyez les boutons, avec des petits boutons comme ça. Il me semble qu'il y avait plein de couleurs aussi. En coton, super jolie. Porter ça avec un petit slim. Hop, vite fait, bien fait. Vraiment, comme je vous disais, j'ai essayé de trouver des vêtements qui font quand même habillés, mais casual. En même temps, j'ai besoin d'être à l'aise dans mes vêtements. Alors cet ensemble-là aussi, il est trop sympa. C'est un ensemble tout simple gris avec une tirette derrière. Et alors ce que j'ai bien aimé, c'est que vous avez la partie blanche, on dirait une petite chemise qui est accrochée. Et avec ça, vous avez un pantalon. Les pantalons, vous voyez, un peu style jogging. Donc ça aussi, franchement, porté avec une belle petite paire de baskets. Ça fait habillé et en même temps, ça fait très décontracté. Ça donne un style décontracté. Alors là, ici, cet ensemble, j'ai flashé dessus. C'est une rabaya. C'est une rabaya, mais je l'ai trouvé trop belle. Je ne sais même pas si c'est une rabaya. C'est pas une rabaya en fait. Ah si, c'est une genre de tunique avec une tirette. Et j'ai trouvé juste trop belle. Je l'avais vu aussi sur Instagram portée. Et ce que j'aime bien, c'est que vous voyez le tissu. Vous avez un contraste entre le tissu, vous voyez, hyper beau, satiné, qui fait très chic. Et les manches qui font vraiment casual, qui font vraiment très décontracté. J'ai vraiment aimé en fait cette touche-là. Je le trouve super beau. Le tissu est top. J'ai quasiment fini. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une jupe. J'ai pris une jupe. J'en ai pris deux d'ailleurs. Je l'ai prise aussi en marron. Ah non, voilà, pas en marron, en noir. C'est une jupe en simili-cuir longue. Parce que le truc, c'est que j'en ai une il y a super longtemps, mais elle est trop courte. Elle est trop courte pour moi. Donc du coup, j'ai vu celle-ci en version longue et je l'ai trouvée juste top. Voilà, ça c'est un truc, un indispensable que vous allez pouvoir ressortir tout le temps. Un autre indispensable, ben, le jean denim blanc, j'en avais plus. Donc du coup, je me suis dit, allez, on va en essayer un de chez... C'est toute la marque Revka ou Bénin. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'information. Mais voilà, très simple. Mais vous voyez, c'est pas un slim, c'est plutôt un mom boyfriend jean. Et ensuite, j'ai quoi d'autre? Oula, alors ça, je l'ai vu, je me suis dit, mais mince. Pourquoi j'ai pas trouvé ça avant d'aller en France? Mais je me suis dit, franchement, il faut que je le partage avec les filles. Et je vais bien le garder précieusement. Alors, c'est un bonnet, vous voyez, bien chaud, il y a plein de couleurs. Et vous avez ça qui est accroché. Donc, en fait, ça, vous pouvez l'accrocher comme un châle pour cacher le cou. Je l'ai trouvé juste super beau. Là, je l'ai en... Il paraît un peu clair, mais il est en rouge bordeaux foncé. Mais vous avez plein d'autres couleurs. Et vous verrez sur le site le mannequin qui le porte. C'est juste super pratique si vous avez... J'imagine que chez vous, il fait encore froid et que vous n'êtes pas encore sorti d'hiver. Voilà. Et là, dans la dernière chose, j'ai vraiment envie d'une jolie robe. Mais une robe... qui fait pas trop été, vous voyez, que vous pouvez mettre avec un pull ou autre. Et j'ai trouvé celle-ci sublime. Ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, la partie en dessous, elle est plissée. Donc ça fait un peu jupe plissée. Donc du coup, vous pouvez porter ça avec un haut. Et ça fait vraiment genre haut avec une jupe. Et vous pouvez aussi la porter. Hop là, je chope la ceinture, vous pouvez aussi la porter comme une robe. Donc voilà, maintenant il va falloir repasser tout ça. Et je vous donne rendez-vous sur Instagram with Hasnabi. C'est en barre d'informations pour les essayages. Je range tout ça et on file, on prend le taxi. Hello, recoucou. Bon, je vous retrouve avec mon petit thé ici. Donc voilà, vous voyez, ça a commencé. Là, on a commencé en fait l'installation des clims.
l'installation des clims. Donc là aujourd'hui en fait j'ai rendez-vous avec l'électricien que vous voyez là-bas pour fixer les points électriques en sachant que la cuisine sera là-bas et les bureaux du côté. Là donc voilà, c'est un peu le boxon. On y va. Bon, je vais manger aujourd'hui à l'arrache. Je vais manger à l'arrache, mais tant pis, au moins j'aurai mangé parce qu'il est déjà 14h30 et j'ai toujours pas mangé. On va faire ça, on va manger. Donc j'ai des pâtes au saumon, pesto au saumon, super bon. Oh, il fait chaud sans clim, c'est la mort. Bon, voilà, je suis rentrée. Ah, on se retrouve avec mon appareil photo, c'est mieux comme ça. Je vous montre vite fait mon... Oh regardez, ici ils nous donnent des stickers partout. Ça c'était le sticker du Starbucks. Donc comment je suis habillée? Alors ce jean, vous avez été nombreuses à me demander la dernière fois d'où il venait. C'est un jean Levi's. C'est le seul d'ailleurs. Non, j'en ai deux. Donc jean Levi's. Ensuite j'ai cette chemise qui vient de chez Modaniza que je porte très souvent quand je vais bosser parce qu'elle est juste super à l'aise. J'ai aussi ce t-shirt de chez Modaniza, t-shirt en coton. Non, ici vous avez besoin de mettre quelque chose dans, une pièce dans laquelle vous allez suer. Voilà. Et alors ce turban, c'est un turban qui vient de chez Baya. Et alors mon turban ici, voilà, mon turban il vient de chez Baya. Voilà, bon, je vais me changer et je vous retrouve. Je suis KO. Oh là là. En fait, j'ai utilisé de la farine de coco et du son d'avoine. Le problème, c'est que... Bon, là, ça va mieux, hein, déjà, celle-ci, par rapport aux premières. C'est hyper collant. Mince, on va devoir... Je vous ai lâché entre-temps. Donc... On est en pleine révision en fait, c'est Ahmed qui s'occupe du côté anglais, donc les filles on déteste la semaine prochaine du coup, ils ont fait des révisions, et voilà, et ce que je vais faire là c'est que je vais faire un tout petit peu de français avec elle, et ensuite je vais faire cuire des gaufres, mais j'ai testé une nouvelle recette, on va voir ce que ça va donner, bon. Le Moyen-Âge, les temps modernes... Mais découpe d'abord tes images, Valérie. D'abord, tu me les découpes et ensuite, tu vas me les placer dans l'ordre chronologique, ok? Mais... Bon, voilà, les enfants, ils sont au parc. C'est mon petit moment à moi. Et, tadam, j'ai ma commande de chez Aromazon. Alors, pour les personnes qui vivent à l'étranger, sachez qu'Aromazon... les frais d'envoi sont gratuits à partir de 100 € d'achat. Donc franchement, ça vaut le coup en sachant que, par exemple, pour Singapour, en général, ce qui est embêtant, c'est les frais d'envoi qui sont hyper chers, en fait, dès qu'on veut recevoir quelque chose de la France ou autre. Alors que là, pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Je commande régulièrement chez Aromazon. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris rapidement. J'ai pas de code promo ni quoi que ce soit. La première fois que vous commandez, vous avez une réduction. Donc vous regardez en barre d'information, je vous mettrai ça. Et ensuite, vous-même, vous pouvez parrainer une personne et voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Mais je pense que c'est un bon plan dans le sens où... Moi, je me souviens quand je suis arrivée à Singapour, par exemple, les huiles essentielles à Singapour, ça coûte trop cher. Alors que là, sur Aromazon, ça coûte vraiment des cacahuètes. Cette poudre blanche, c'est du bicarbonate de soude. J'ai pris plusieurs paquets puisque j'utilise beaucoup de bicarbonate de soude pour faire mon ménage essentiellement. Et je pense qu'il y en a un qui a un peu fui. Mais par exemple, l'aloe vera ici, vous en trouvez plein. Mais le problème, c'est j'ai du mal à faire confiance. Et c'est vrai que moi, à Aromazon, je connais depuis... Ça fait des années que je commande chez eux. Et je me dis, voilà, au moins, c'est certifié bio. Il y a de la qualité. Et donc, j'ai pris de l'aloe vera. Donc, comme je vous disais, j'ai pris du bicarbonate de soude. J'ai pris ça, les marocaines. Vous savez, le gant de gommage. Puisque je ne peux pas aller au bled. Alors, le bicarbonate de soude. J'ai pris plein d'huile. Alors, ça aussi, j'ai pris du vinaigre. Alors, c'est du vinaigre. Mais attendez, pas n'importe quel vinaigre. C'est un peu le boxon. Il aurait dû mettre... Oh, punaise. Ben voilà. Il y en a un qui a éclaté. Oh là là. Aromazon, je vais vous contacter là. Hé, hé. Regardez-moi ça. Purée. Il y a un paquet qui s'est ouvert. Mince. Oh là là. Franchement, ils auraient dû mettre ça. Je sais pas. Ils auraient pu emballer ça d'une meilleure façon. C'est la première fois que ça arrive vraiment. Carnage. Regardez, même les bouteilles. Il y a tout qui est retiré. Mais c'est donc du vinaigre d'alcool à 12%. Et donc, moi, j'utilise essentiellement pour. Ah ben voilà, c'est celui-là qui est ouvert. Oh mince. Bref, il va falloir que je nettoie tout ça. Donc, j'ai plein d'huile. Comme d'habitude, des huiles végétales. Oh là là. Ah, il va falloir que je nettoie tout ça. Franchement, mince. Je vais leur envoyer un email.
Je vais leur envoyer des photos surtout. Voilà, donc regardez-moi ça. Ça, c'est du savon noir liquide. Bon, je vais vous laisser en fait. Je ne peux pas faire un déballage comme ça, ça m'énerve. Je vais nettoyer tout ça. Je vais récupérer quand même hein, tout le bicarbonate là qui est en dessous. Je mets ça dans une boîte. Et écoutez, on va se quitter pour ce vlog. Franchement, ça m'a fait du bien de repartir au boulot, de revoir les collègues, de revoir mes copines et de reprendre le boulot surtout, de penser à autre chose, de sortir de la maison. Donc voilà, j'espère que ça a été rapide. Hein, franchement, j'ai vraiment fait un aller-retour rapide. Mais en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!